Manchester City, Rodri se blesse gravement au genou, 5 jours après avoir dénoncé les cadences infernales. Le milieu espagnol des Citizens devrait manquer plusieurs mois de compétition, après sa blessure contre Arsenal, 2-2, dimanche. Grâce à une égalisation dans les arrêts de jeu signés John Stones, Manchester City a évité une première défaite en Premier League, dimanche à domicile contre Arsenal, 2-2. Mais le quadruple champion d'Angleterre en titre, leader de l'actuelle saison, a sans doute perdu pour plusieurs mois Rodri. Le très précieux milieu de terrain, récent champion d'Europe avec l'Espagne, a dû quitter le terrain dès la 21e minute, à cause d'une blessure au genou droit. Victime d'un mauvais appui dans un duel avec Thomas Partey, le joueur de 28 ans pourrait souffrir d'une rupture des ligaments croisés, même si le verdict n'est pas encore tombé. Déjà blessé en finale de l'Euro. Cruelle ironie du sort, Rodri avait évoqué mardi une éventuelle grève des footballeurs, pour protester contre les cadences infernales, alors que la réforme de la Ligue des Champions entrée en vigueur cette saison a encore alourdi le calendrier. « On ne peut pas jouer 60 ou 70 matchs », avait-il notamment lancé. « Ce n'est pas possible de maintenir son niveau physique. » Dimanche, l'inamovible milieu de City et de la Roja ne disputait que son 3e match de la saison après des exercices précédents à rallonge, à cause d'une blessure survenue en finale de l'Euro contre l'Angleterre, 2-1, le 14 juillet.